Dans cette vidéo, je vais crash tester 5 hacks TikTok que j'ai trouvé sur TikTok de maquillage. Et si vous n'avez pas vu les précédentes, je vous glisse la playlist juste ici où je mets absolument toutes les vidéos hacks que je réalise. Et il y en a vraiment des pas mal. Premier hack, je n'ai absolument pas besoin d'être maquillée. Je vais tout simplement essayer de réaliser cette vidéo. Donc je vais devoir mettre de la colle à fossile au-dessus de ma lèvre et la faire coller pour avoir l'impression que j'ai été faire un petit peu de chirurgie esthétique. Je vais utiliser une colle à fossile de chez Primark qui colle plutôt bien. C'est parfait. Oh la vache, faut pas en mettre trop non plus. Bon bah faut attendre que ça sèche un peu maintenant. Imaginez, ça se décolle pas. Bon, je pense que ça devrait être bon. Mais pourquoi je fais ça? Attention, je pense que c'est bon. Mais c'est horrible. C'est pas beau du tout et en plus ça colle pas bien. Pourtant j'ai attendu qu'elle sèche. Donc premier hack loupé. J'ai appliqué mon fond de teint. On passe au deuxième hack qui est tout simplement de réaliser un contouring avec une fourchette sur le nez. J'ai pris une fourchette, le contouring et je dois tout simplement le placer au milieu. Tac. Et donc de ce côté là il faut appliquer, ça veut bien sortir, le contouring. Elle est là. Ah. Oh putain. Oh, je crois que là, ça passe pas. Déjà, faudrait-il que j'arrive à appliquer le truc. Et au milieu, il faut mettre de l'anti-cerne. Yes! Je l'ai pas bien fait. Et maintenant, on va blender. Mon contouring, il est un peu foncé quand même. Vous trouvez que j'en ai plus fin? C'est pas beau, je trouve. Moi, j'aime pas, personnellement. J'aime pas du tout cette technique, je l'emploierai pas. Deuxième hack, pour moi, c'est un loupé. J'ai trouvé deux hacks pour les yeux, du coup, je vais faire les deux. Et franchement, ils ont l'air trop cool. Le premier, c'est un trait de liner assez classique. Mais en fait, avec une lingette, on vient nettoyer et ça fait le trait qu'elle réalise là sur la vidéo. Je trouve ça trop joli. Let's go. J'ai un peu foiré le truc, non? J'ai l'impression que je vais pas avoir besoin de la lingette pour le faire. J'ai déjà bien fait. Si vous êtes fort en traçage de liner, vous avez pas besoin de la lingette. Je vais pas utiliser de lingette. Moi, je vais utiliser de l'eau micellaire avec un coton-tige. Donc, je vais tout nettoyer. Bon, j'ai rattrapé un petit peu le trait parce qu'il était absolument pas droit à cause du fait que ça s'effrite. Et maintenant, on vient fermer le liner. Bon, je dirais que je valide ce hack parce qu'en réalité, comme ça à nu, c'est très moche. Mais si on a envie de mettre une autre couleur à l'intérieur ou des paillettes, ça peut être super sympa. Donc, c'est validé. Le quatrième hack, c'est de réaliser un cut crease avec un mascara. Et regardez le résultat, c'est juste mais magnifique. J'adore, j'espère que je vais le réaliser correctement. On commence par tracer un trait de liner classique. Bon, j'ai fait un trait de liner des plus classiques. Et maintenant, on va venir prendre un mascara pour venir tacheter tout en haut. Pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est pas mal, hein. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais très sincèrement, je trouve ça super joli. Le hack, il est vraiment mais validé à 100%. Je trouve ça trop beau. Je vais le reproduire, je vais en faire une photo. Je vais la poster sur Instagram. Venez me rejoindre pour l'enregistrer si vous avez envie de reproduire ce maquillage. Mais honnêtement, je trouve ça mais magnifique. Le dernier hack, c'est pour les lèvres. J'ai vu cette vidéo où tout simplement, elle va mettre du rouge tout autour d'un beauty blender. Et elle va en fait essayer de faire, vous savez, les lèvres un peu effet pincé. Donc on va essayer ça. J'ai un rouge à lèvres rouge très intense de chez Bourjois. On vient en mettre tout partout de la beauty blender. Beaucoup, 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 beaucoup. Et c'est parti. J'ai pas l'air cruche comme ça. En pensant... Je suis stupéfaite, je vous avoue que je pensais absolument pas que ça allait marcher. Je m'attendais à ce que ce soit un flop total, mais regardez-moi le résultat. Je faufile un petit peu avec les doigts, mais en vrai, regardez, c'est incroyable, ça fait vraiment l'effet lèvres pincées. Non mais je trouve ça trop beau, c'est trop validé. J'espère que cette vidéo vous aura encore une fois plu. Moi, j'ai découvert plein de choses. Franchement, j'adore faire ces vidéos. Venez me rejoindre sur TikTok, sur Instagram et me taguer dans plein de hacks que je puisse les réaliser parce que là, je suis en train de découvrir des techniques de folie. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine et gros bisous.